Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Donc on est avec Bruno Skotnicki, le responsable presse de chez Honda France, mais aussi impliqué dans le développement technique des motos, notamment pour le sable, c'est bien ça? C'est exactement ça, voilà, j'ai deux casquettes, une casquette presse et puis une casquette plus technique. Voilà, je participe au développement de la moto. Justement, on est là pour ça, donc qu'est-ce que vous avez fait sur cette moto? De quoi vous êtes parti déjà? Bon, on est parti de la moto d'origine, bien évidemment. Alors les pilotes ont pas mal roulé avec le modèle précédent, le modèle 2020, parce que on n'avait pas encore reçu les 2021. Et dès qu'on a reçu les 2021, tout de suite ils sont allés faire des tours sur une moto stock, complètement stock. Voilà. Aussi bien en suspension d'ailleurs qu'en moteur, enfin tout était stock. Et puis ça nous a permis d'avoir une base de travail. Ils avaient la moto 2020 qui était en configuration sable, la moto 2021 qui était en configuration stock. Et ça nous permettait de voir déjà dans quelle direction on allait aller, tant sur le châssis que sur le moteur. Et ça a été relativement simple parce que la 2021 étant tellement bien née, à la fois pour la terre et pour le sable, que les modifications moteur, on n'en a pas apporté. Voilà, on va rester sur la configuration complètement stock du moteur. Et puis sur le châssis, oui, on a travaillé sur les suspensions parce qu'on a deux grands gabarits avec Lars et Nathan. Donc voilà, il fallait travailler sur ce sujet-là, tant sur la position que sur les suspensions. Et donc, pour des pilotes de ce niveau-là, notamment dans le sable, j'imagine qu'on fait quoi? On durcit? On durcit beaucoup, notamment au niveau de la fourche, puisque faut éviter de planter de l'avant et que ça tape. Voilà, parce que ça roule très vite, de plus en plus vite. Les motos le permettent, les pilotes se spécialisent dans le sable, roulent de plus en plus vite. Ça saute très haut, très loin. Et beaucoup de trous, beaucoup de bosses, et donc faut durcir. Au niveau du châssis, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'après, c'est que des. J'ai envie de dire, c'est que du périphérique, entre guillemets, que vous avez ajouté. Et par contre, tu nous disais que tu as pas mal travaillé sur les maps. Donc il y en a une qui reste standard, mais tu vas nous expliquer en fait. Donc là, on a un échappement qui a été développé par AGS. Donc spécialement pour vous, je crois. Hein. Spécialement pour nous, ouais. Spécialement pour le sable, spécialement pour nous. Ce qu'on souhaitait, c'était encore renforcer davantage le couple du moteur à bas et moyen régime pour les sorties de virage, parce que la moto est extrêmement puissante d'origine et on n'avait sincèrement pas besoin de beaucoup plus. Donc ils ont travaillé essentiellement sur le bas et moyen régime et on a adapté les cartographies à ça. Voilà. Évidemment, on n'a pas parlé d'une grosse pièce, on a oublié, c'est quand même ce magnifique réservoir en alu aussi. On a 5,7 litres de plus que l'origine, on est en 6 litres 3 d'origine. Avec un réservoir en titane. Et là, on passe sur une pièce fait main en aluminium qui est conforme au règlement du championnat de France des sables de cette année en 12 litres. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors sur cette moto, il y a aussi un certain nombre de petites pièces que nous montrait tout à l'heure Hervé Aniré. Donc de type top, c'est une petite patte. On a une protection de mètre cylindre arrière parce que les bottes frottent pas mal dessus. Et dans les conditions d'utilisation dans le sable, ça use beaucoup. Le sable ponce tout, use tout, les cadres et tous les périphériques. Donc on a cette protection. On a également un sabot qui est beaucoup plus enveloppant de chez AXP parce qu'on peut rencontrer pas mal de chocs avec d'autres concurrents. C'est surtout ça la problématique. Grosse nouveauté quand même cette année, c'est l'embrayage hydro. Quelque chose ou pas? Nous, ça a changé positivement, très très positivement. La commande est juste parfaite pour de l'endurance, puisqu'on va être quand même sur une course de 3 heures en ce qui concerne le touquet. Et la durabilité des embrayages est exceptionnelle. Donc, très 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 agréablement surpris par ça. D'accord. Alors, une autre chose que tu nous as dit tout à l'heure que j'ai trouvé assez intéressante, c'est qu'en fait, ils n'hésitent pas à mettre du traction control même dans le sable, les pilotes, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ça a été un peu une surprise pour eux, puisque le traction, à la base, il a été quand même pas mal développé pour les terrains durs, pour trouver améliorer la traction sur les terrains durs. Mais au final, après avoir fait pas mal d'essais avec Nathan et Lars, il se trouve que c'est efficace. On n'a pas l'impression, mais ça limite le patinage à l'arrière, ça favorise l'avancement de la moto et on l'utilise pour les courses. Ouais. D'accord.
un dernier détail, enfin c'est un détail qu'on n'est pas vraiment un, mais moi je pensais que justement, tu disais tout à l'heure, au Touquet, on est susceptible de s'accrocher avec d'autres pilotes. Il n'y a pas de protection de disque à l'avant. Oui, alors ça c'est pour intervenir plus rapidement sur la moto au cas où il se passe quelque chose. C'est intéressant. Voilà. Parce que quand on a le protège-disque, bah, ça va faire deux vis en plus à retirer. Voilà, ça fait du temps en plus, de l'intervention en plus. Et c'est pour cette raison qu'on ne le met pas. Ouais. Ouais. Ouais, et cette année, voilà, on retrouve Nathan Watson dans le team. Hein, c'est évidemment sa moto qui est là. C'est un ancien vainqueur du Touquet. Je pense que voilà, vous avez de vraies ambitions avec lui. On a de vraies ambitions, effectivement, c'est pour ça qu'il est avec nous. Et on a de très, très bon potentiel également avec Lars, qui monte en puissance. Et puis il y a aussi, on n'oublie pas, mais on a aussi pas mal de pilotes support chez Honda, avec Damien Prévost notamment, avec Wonderbike. Et puis on a également le petit Matteo Mio, voilà, qui est lui supporté par le concessionnaire CBO et qui s'entraîne avec nous parce qu'il habite pas loin. Et voilà, donc ouais, il y a des belles choses à faire et bien évidemment Nathan, c'est notre porte-drapeau. C'est une moto donc qui est finalement préparée, évidemment très bien préparée par des professionnels, mais quand on regarde bien, il n'y a pas tant que ça non plus. Enfin, c'est pas une moto d'usine à 100%. Quoi. C'est une moto que tout le monde peut se faire. Tout le monde peut se faire cette moto, exactement. Ouais, tout à fait. Et la CRF 450 2021 étant tellement performante d'origine, c'est pour ça qu'on a gardé complètement la configuration stock du moteur, ce qui nous permet d'avoir zéro consommation d'eau. Voilà, donc on a conservé les radiateurs d'origine. Oui, ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Ouais. Exactement, on a juste un bouchon qui est taré avec une pression supérieure. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est la moto extrêmement performante, très bien née. Voilà. Une moto qui n'était pas si éloignée finalement de la moto d'origine qu'on a eu la chance d'essayer, tu étais là, hein, à Mantova en Italie. Je vous invite à retrouver la vidéo juste ici, hein. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt. Ciao !